le dimanche 13 décembre. Voilà, il est plus tard que d'habitude. J'ai fait le tour contraire. Voilà, je me suis levée, moi je crois vers 9h. Je crois qu'il est 10h. J'ai déjeuné et tout. Puis j'ai dit, tiens, bon, allez, je vais aller ouvrir mon petit paquet. J'espère que vous allez bien. Allez, on se dirige directement dans mes petites panières. Allez, donc nous sommes. Ah. Oh, ben zut, voilà. Hop, puis je fais tout tomber. Oh, ma biche. Voilà. Alors, le 13 décembre, un dimanche bien moche. Il fait pas le beau du tout. J'ai dû allumer ma lumière. Alors, le 13, le petit paquet des instants pétillants. Ah, alors, toujours vu son petit bazar. Et puis là, hier, j'ai pas mes lunettes. Florence, ça coûte pas cher des lunettes. J'ai pas du tout rangé. Vous voyez la couverture qu'on a fait. Elle me plaît bien. J'ai encore laissé. Voilà, je vais enlever mes petits. Je vais y arriver tant qu'on boit. Alors. Qu'est-ce que ça pourrait être? Enfin, je vois rien du tout. Moi, je ne suis pas là-dessus. Des badges! Alors, ça, c'est quelque chose que je travaille très peu. Voilà. Mais ils sont super beaux. Oh, ça, c'est la collection de Béatrice Garnis. Je sais plus, la printanière a été très très jolie cette collection. Donc, oui, ce serait mieux si je vous montrais. Sweet Maman, ces petits détails. C'est dommage, attendez, peut-être plus comme ça. Voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà, ce sera mieux comme ça. Je tâcherai de les travailler dans un album de printemps. Merci, bis. Merci beaucoup, Pascal. Je m'étrangle. Donc, aujourd'hui, programme. Bon, alors, ce matin, ça va être tranquillou. Alors, on est déjà, ouais, 10h15. Donc, voilà, hein, comment vous dire que ça va être tranquille. Cette semaine, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Mardi, mercredi, je ne sais plus. Bon, bref. Mes parents viennent, en fait, aujourd'hui. Ils venaient pas hier, ils ne sont pas venus. Donc, ils viennent aujourd'hui. Donc, je vais préparer deux brioches. Une à la cannelle parce que mon papa aime bien ça, et une autre au Nutella parce que ma maman n'aime pas du tout la cannelle. Voilà, et Maureen non plus. Donc voilà, je vais faire deux brioches, je vais les faire tout de suite. Je sais pas si je mettrai la caméra ou pas, je vais essayer de voir ce que je pourrais faire. Je suis haute là, voilà. Je vais essayer de voir ça, et puis ben, cet après-midi, je pense qu'ils vont venir plus sur les coups de 16h. On continuera un petit peu le mini-album. Et puis, ma foi, voilà, ça va être un dimanche, ma foi, très, très, très tranquille. De toute façon, voilà. J'ai envie de vous dire, je crois que ça va être dans toutes les maisons. Hein, voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, on se dit à tout à l'heure. Alors, on va faire le tirage au sort. J'ai eu 75 commentaires. Donc, hop, je le marque là. Et puis, je vais générer. Et ça va mettre un chiffre. Et en fait, je prendrai sur mon Vlogmas. Je partirai de la fin. Voilà. Et je prendrai le chiffre, le commentaire, en fait. Voilà. Le premier commentaire aura le numéro 1, etc. Voilà. Et donc, c'est le 22. Le 22. Donc... Le 22, alors je vais peut-être pas montrer le nom des copines, hein. On va rester comme ça, voilà. Le 22, allez, je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est Ambacrea. Ambacrea qui remporte donc ma petite enveloppe surprise. Donc voilà, Ambacrea, félicitations. Alors envoie-moi donc ta petite ton adresse mail, enfin tes coordonnées. Je
Je me suis dit que Facecam, ça serait quand même bien. Donc, en bas, Créa, envoie-moi ta petite adresse postale, donc à mon adresse mail chouetteflo@orange.fr. Voilà, donc ça sera dans ma vidéo du jour 13. Voilà. Donc voilà, du dimanche. Voilà. Bon, ben, ne soyez pas déçus, je pense, même c'est sûr qu'il y aura peut-être une, voire deux autres enveloppes, mais je vous dis pas quand. Voilà, il faut suivre mes vlogs. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, voilà, et d'écrire des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà, félicitations en bas, Créa. Et puis, ben, je vous fais des bisous.